se passe comment ici? Putain, mais les mecs, soyez... Arrêtez de déconner, quoi. Ah, vive l'antiquité. Vive le foin. Oula, Cyrus 2, Empire Aztèque, what? Cyrus 2, quoi. Les Aztèques, monsieur. Les Aztèques. Les Aztèques de cul. Dirigés par les Perses. What the fuck? Je vous salue, ô vous qui régnez sagement sur les Vikings. Les Aztèques sont forts. Faut-il vous coûter au nombre de nos amis ou de nos ennemis? Notre époque connaîtra la paix. Merde, j'ai pas fait attention. Tu m'as dit, j'ai cliqué. Que pensez-vous de... Parlons d'autre chose. Que pensez-vous de... Parlons d'autre chose. Tu es ami ou ennemi? C'est pas grave. Nous aimerions vous faire une proposition commerciale. Objet échangeable, libre passage. Tu es ami ou ennemi? Mais il est pas sur votre île, du coup. Je sais pas où il est. Je sais pas pourquoi je l'ai rencontré, en fait. Ça peut vouloir dire qu'il a inventé les bateaux et qu'il a de l'avance sur nous. Ça serait moche. Apparemment, ça... sur la carte m'a monté un peu vers en haut à gauche, donc ça se trouve, il y a peut-être un bateau qui est passé près de la côte. Ah, ils sont là, ok. Il y a un bateau, effectivement. Bateau atelier de Cyrus 2, ici. Donc lui, il est sur l'île qui est juste au-dessus de moi, en fait, apparemment. Au moins. Il est encore au nord de vous, donc. J'aimerais bien les faire, moi, les bateaux, justement, un jour. Oh, ça serait bien. Je sais pas comment... quand je les fais. Comment on fait pour dire à des ouvriers de construire un truc en truc spécial, en fait? Je peux les mettre en auto, mais... Ben, vous les placez sur un endroit où vous voulez construire quelque chose, puis vous leur demandez de construire ce que vous voulez. Ouais, mais je le vois pas dans la liste. Tout à l'heure, il y avait un port, machin, mais là, il n'y a plus. Le port, c'est dans les bâtiments à construire... dans la ville en elle-même. Non, je l'ai pas vu là-dedans et tout à l'heure, c'est... Enfin... Ben, c'est là-dedans, normalement. Mais moi, je peux construire des bateaux sans port, donc c'est bizarre. Construire ni de port ni de bateau. Le mont Saint-Michel est normand, breton, corse ou lillois? Normand. Ouais, exactement. La Normandie, c'est la Terre Sainte. Il a 128 de pouvoir, hein, Cyrus 2, par contre. Donc il a des bateaux, mais il a pas l'air d'être si puissant que ça. Ouais. Il est encore plus faible que Staline, en fait. Et en plus, le mec, il laisse son bateau, genre, devant moi. Alors le mec, il stalk, quoi. Par contre, j'ai toujours au moins 2 par tour, je sais pas pourquoi. Mathématiques.
super métallurgie. Parce que ça me permet de faire des bateaux, j'ai l'impression. Vous avez découvert boussole. Bien. Je sais pas à quoi ça m'avance, mais... Explorateur. J'ai vraiment pas de port ni rien alors que j'ai une boussole. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Que pensez-vous de cette offre? Cyrus 2 offre libre passage. Vous proposez libre passage. Si je lui offre le libre passage, est-ce qu'il peut en profiter pour faire le PD enculé du coup et mettre ses gens chez moi? Il peut, mais généralement ils le font pas. Enfin, ils se servent pas de ça pour vous prendre par surprise. Monsieur, vous voyez, c'est un Perse qui dirige l'Empire Aztèque, donc je suis quand même vachement méfiant, quoi, sur le principe. Parce que c'est quand même deux trucs. Ouais, mais bon. Deux trucs à ne pas mélanger, quoi. L'Empire Aztèque, j'ai des mauvais souvenirs et les Perses. Bah écoutez, c'est vous qui voyez, il y en a qui ont essayé. Oh, marché conclu. Marché conclu. Marché conclu. On le voit. Il y en a qui ont essayé. Enculé. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Vous venez de construire bibliothèque à Confitureland. Que souhaitez-vous faire ensuite? Bah honnêtement, ce que j'aimerais bien faire... C'est des bateaux. C'est con, hein, mais... Ah, bah moi aussi, j'aimerais bien, parce que là, ça va être une priorité, vu l'état de la planète, qui, à mon avis, a l'air d'être plein d'îles, en fait. Bon, bah, je vais faire un colon, hein. Ça prend que 25 tours, là, d'en faire, donc... Putain. Vous vous en sortez bien, vous? Attends, j'ai le double du score Cyrus 2, monsieur. Ouais, vous avez pas mal d'avance sur moi aussi, d'ailleurs. Je dois être genre le premier dans toute la partie, je pense. Il y a des chances. Oh putain, c'est quoi ces technologies qui prennent un temps fou à se faire, quoi. Ouais, on va prendre ça, mais bon... Ce jeu qui est basé juste sur la chance en fait. Ah, j'ai trouvé du fer, excellent. Qu'est-ce que tu fous là toi Staline? Avec tes éclaireurs de cul là, fais gaffe. C'est chez moi ici. Je le sens mal. Je le sens mal avec sur deux avec le droit de passage du coup. En plus je suis con, j'aurais dû lui dire non parce que moi je peux pas aller chez lui pour l'instant. Du coup le droit de passage il marche que dans un sens. C'est vrai qu'il a l'avantage du coup, c'est un accord qui est que pour lui quoi. Oh, vous pouvez l'annuler hein, si vous voulez, mais bon. Ouais, mais il va pas être content après, il va me faire son caca nerveux là. Ouais, il va gueuler, ouais. Il va faire. T'es raciste quoi. C'est ça. Si c'est un Aztèque qui dit ça en plus, voilà. Un Aztèque perse, non merci. Bon, j'aimerais bien de l'or, par contre, parce que moins 2 par tour depuis un certain temps, ça va finir par être... Bah écoutez, moi j'ai 0 depuis le début. Je me plains pas. Ouais, mais vous avez pas moins 2 par... Là, j'ai plus que 349, maintenant. Bon, il se termine, ce grenier, là? Ouais, pareillement, moi j'ai un grenier qui veut pas finir, là. C'est chiant.
Il fait son cep du grenier, quoi. T'as d'ailleurs à la Japan Expo, ils étaient déguisés. Enfin, oula, ils étaient oula. Pas déguisés, mais ils avaient des masques pour pas qu'on les reconnaisse et tout. Il y a une galère barbare, monsieur. Oh putain, ils ont des galères, ces PD enculés. Ouais, faut croire. Ouais, moi je peux faire une galère et ça me prendrait 25 tours pour en faire une. Ah bah là, il y a une galère barbare, on dirait un espèce de gros drakkar. Et genre pas loin de chez moi du tout. Sur le bord. Putain, c'est presque la pleine lune dehors. Mais c'était la pleine lune il y a longtemps, je crois. Genre dimanche soir. Ah. Mais bon, les galères sont parties. Dimanche soir, vous venez de construire un grenier. Un grenier à crabe en deux. Qu'est-ce que... Bah moi non, justement, vu que j'étais chez Cécile. Non, mais je peux toujours pas faire de bateau. Putain, monsieur. Monsieur. Je peux... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des trucs... Il y a des trucs, j'ai du mal à comprendre que ce soit encore possible en 2014, qu'on me pose comme question, mais... On me demande si un mode de Dragon Age existe sur Xbox. Un mode... sur Xbox. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils sont pas aware. Sont pas au courant, sont pas à l'intention donnée, et voilà, des gens un peu comme ça, quoi, un peu con. Ouais. D'ailleurs, ça fait chier que j'ai vu qu'en fait pour Dragon Age 2, comme ils ont pas sorti d'outils pour faire des mods, il y en a quasiment pas des bons mods, quoi. C'est que des mods de cul pour Dragon Age 2. Ah, y en a un qui est pas mal, c'est celui pour équiper les compagnons normalement. Ouais, mais apparemment il y a plein de bugs avec aussi. Ouais, il y a des bugs. Hein. J'ai une espèce de vieille musique de cul là. Ça fait ta 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 ta. Mais non, les gars, je vais pas perdre. Ces mecs qui disent que je vais perdre parce que j'ai du retard, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu que pour Dragon Age 2, ils avaient restreint les classes de ce qu'elles pouvaient porter, etc. et tout. Ça va être chiant, ça. De quoi les classes? Genre, t'es mage, t'es obligé d'avoir un bâton, quoi. Ah oui. T'es mage, t'es obligé. La religion christianisme a été fondée dans un pays lointain. Bravo, bravo. Lointain pour moi aussi. C'est complètement con, ça, je trouve, de restreindre. Les équipements par classe et tout, alors que dans le premier c'était pas le cas du tout, quoi. Ouais, bah. Ils ont bâclé pas mal de choses, de toute façon. Et là, c'est même pas bâclé, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est fait volontairement, quoi. J'espère que pour le 3, ça va pas être comme ça. Ben, disons que le 3 a son crédit, il y a eu quand même pas mal d'années de développement, alors que Dragon Age 2, il y en a eu qu'une, quoi, je crois. Je sais même pas comment ils ont fait. Ouais, mais ça, c'est clairement une décision volontaire de restreindre, parce que c'est pas comme si ça leur coûtait ouais. Beaucoup de mettre dans le code que tu peux équiper les trucs comme c'était avant. Hein. Oui. C'est limite, ça leur prend plus de temps de restreindre, quoi. Que pour le 3, j'avais pensé que du coup, si c'est possible, comme dans le 1, de faire peut-être un mage, mais un mage en armure lourde et avec épée, quoi. Un arcane warrior, je crois, c'était dans le premier. J'aurais voulu le faire dans le 2, dans le 2, c'est pas possible, du coup. Du coup, vous vouliez faire un mage dans le 2?
J'aurais pu faire mage que si seulement j'avais pu faire un mage avec une armure lourde et une épée, parce que j'ai pas envie de faire mage, quoi. Ça aurait plus fait genre un templier qu'un mage sur le principe, enfin. Ou un mage de combat, quoi. C'est juste un guerrier avec de la magie, quoi. Vous avez entraîné un colon à Confitureland. Je vais faire de l'économie. Ouvrier. Oh. Je comprends pas faire de. Je comprends pas pourquoi je peux pas faire de. Colon. Alors. Bande de colons complètement cons là. Point là-bas là. Font chier d'avoir fondé leur ville de cul. Hein. Puis ils ont de l'avance militairement en plus. J'ai intérêt à entretenir de bonnes relations avec Staline. Pour l'instant, je risque rien, il y a juste les galères barbares qui traînent autour là. Des barbares. Les barbares, c'est barbant. Je sais pas d'où ils sortent d'ailleurs, mais bon. Allez, on faisait une ville. Oh, vous faites ce que je vous dis, voilà, merci. Buffland. Buffland, ça va. Ah! Conseil développement comptoir. Motion gratuite. Case d'eau plus 1. Reclis pour. Ah bah voilà, là comme je l'ai mis au bord de l'eau, je peux faire des bateaux. C'est bien ça. Fallait que ce soit au bord de l'eau en fait. Vous étiez pas assez près de l'eau. Qu'il y ait une colonie qui soit au bord de... vraiment au bord de l'eau. Bateau atelier. Peut-être faire le comptoir d'abord. Faire le comptoir d'abord à Buffland. Je suis pas au Moyen-Âge en fait. Ça n'a pas l'intérêt. J'avais entraîné un ouvrier à Fresnoir. Vu l'état de mes bâtiments, je dois être au Moyen-Âge. La musique, c'est plus les musiques de Nigger. Non, moi c'est une musique un peu de combat depuis tout à l'heure. Là. Ça fait musique asiatique un peu. Enfin, c'est une musique assez douce. La blague sur les barbares, c'est une phrase d'Alistair en fait, de Dragon Age.
Oh merde. Là, c'est reparti. Allez hop. Ils sont bien tout finis les colons là. Me stresse ces putains de barbares avec leur galère là à la laisser sur le bord. Oh. C'est que des navires de transport. Au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver? Une centaine de troupes qui débarquent qui rasent toutes vos villes et vous vous retrouvez en game over. Surtout que j'ai quasiment aucune unité de défense à part un guerrier. Peut-être que je change ça d'ailleurs. C'est pareil, j'ai quasiment pas de défense quoi. Umbalek de l'espé Attila. Faut quand même avouer que ça se développe pas beaucoup ici. Umbalek de l'espé Attila. Pourquoi que ça se fait que ça se développe aussi lentement? Cette ville de cul là. Parce que. Ça fait chier, n'empêche, parce que si j'avais réussi à foutre Crabland comme je voulais, j'aurais eu le port plus tôt quoi. Oh putain, y'a des barbares. Y'a des barbares qui ont fondé une ville chez moi. Sur mon île. Mais moi j'ai peur qu'il y en ait qui s'installent quelque part aussi, parce que j'en ai vu traîner. Avec sa galère là, il me en fait. Du coup, c'est un peu dangereux pour moi. Faut demander l'aide de Staline. Peut-être que Staline va les écraser, mais s'il les écrase, ça lui fait une ville pour lui, donc c'est pas forcément bon non plus. Je vais peut-être au moins mettre ces cons-là pour défendre Bourse-Franc, tiens. Bourse-Franc. Oui, monsieur. Ça rigole pas, quoi. Bourse-Franc, ce sera une ville épique un jour. Je vais faire un spadassin. Putain, dans le chat, ils deviennent fous là. Non, je vais faire des remparts en fait. Moi, je suis un mec comme ça. Ah, mais j'ai une unité d'ouvriers complètement gay là. Putain, mais les mecs, je vous ai dit de faire un réseau commercial. C'est ce que vous êtes en train de faire, rassurez-moi. Putain de barbare de cul là-bas. Il me stresse. Monsieur ? Oui.
Vous faites quoi? Je regarde quelques trucs. Regardez si je pouvais pas mettre de plus d'or quelque part, mais je peux pas parce que là je suis à moins 3 par tour maintenant. Ah. Je pense que c'est les ouvriers en fait, je pense ça. Dans quel domaine souhaitez-vous poursuivre votre recherche? Mais ça serait bien qu'ils disent dans quelle ville en fait c'est. Non, la recherche c'est général. Ah. C'est pour toute la nation. Je pense que je vais faire. La mécanique ça prend du temps, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais. Mathématiques clergé, il va te faire foutre. C'est un mec comme ça, quoi. Non, je vais faire l'alphabet déjà. Ça serait peut-être pas mal parce que je sais écrire, mais. Mais c'est random. Ça peut servir. Ça permet de faire des échanges de. Vous avez découvert métallurgie. Très bien. Ça permet de faire des échanges de technologie. Ça peut servir. Mmh. Si jamais un jour je vous trouve. Si jamais. Si jamais un jour j'ai des bateaux et. Alors si on se donne nos technologies, on va tous les défoncer quoi. Une forêt a poussé près de Fraiseland. Les ouvriers ils sont tellement à fond en train de construire des routes entre tous mes trucs. C'est utile, n'empêche ça. Mais pour l'instant, ils ont réussi à relier que Fraiseland et Confitureland. Ils ont presque rejoint Crabland, mais ils se sont arrêtés en route, je sais pas pourquoi. Et Buffland, de toute façon, avant qu'ils le rejoignent, ils ont le temps. Voilà, j'envoie ma première galère en exploration auto. Voilà. Rochefort, Boursefin, Fontenay, ça rigole pas. Ah putain, c'est quoi ces trucs qui prennent une blinde de tour? Sérieux quoi. Abused. Alors, quoi que Fraiseland ça? Pourquoi il n'y a pas de croissance? Ah, parce qu'il n'y a pas assez de bouffe. Je vais enlever celui-là et je vais mettre ça. Je vais apprendre l'alphabet aussi. La vermine a infesté les greniers de la ville. En s'amusant. Toute la nourriture stockée ici est gâtée. Bravo, bravo. Super. Vous êtes fiers de vous? Moins 100% en bouffe, quoi. Génial. Oh. C'est ignoble. Super, quoi. Le défrichage de forêt rapporte 60 marteaux à Confitureland. Vous venez de construire rempart à Confitureland. Que souhaitez-vous faire ensuite? Un spadassin, s'il vous plaît. Ah, vous remontez, hein, mine de rien, monsieur. Ouais, petit à petit. Je veux dire, j'avais pas fait gaffe que Fraiseland était en plus en train d'évoluer du tout parce qu'ils étaient tout juste au niveau bout.
C'est quoi ça? Oh là. Il y a des barbares qui se sont installés. Ah, vous parce aussi? Parce qu'il y a une espèce de délimitation noire, mais toute petite en fait. Ouais, c'est barbare. Empire barbare. Je vais aller les buter dès que je peux. Parce qu'ils sont juste à côté de chez moi en plus. Oh putain, ils s'agrandissent ces PD enculés là. Faites attention. Ils sont au milieu de mes routes. Faites attention par contre à toujours garder au moins une unité pour défendre une ville. Parce que sinon, ils peuvent vous la prendre comme ça direct. Justement, le problème c'est que là actuellement j'ai personne quoi. Et puis les barbares sont agressifs en plus donc. Oh là là. Et les enculés de barbares. Vous avez entraîné un spadassin à Confitureland, que souhaitez-vous faire? Un autre. Alors, je vais le monter en... ...25% contre arme de siège. Soigne les unités dans la même case. Défense, soigne, case. Attaque de ville, plus 20, je vais mettre ça. Bon, c'est pas avec une unité de spassin que je vais la prendre, je suppose, la ville, mais bon. Faut voir, les barbares sont rarement très évolués. Je vais aller voir. Putain, mais Cyrus qui passe, là, avec ses petits bateaux de merde, son bateau atelier de cul, hein. Mais qui fait son aztèque. Le problème avec la galère, c'est... Je peux pas aller dans les océans, je crois. Je sais pas. La galère, c'est galère, lol. Ouais, non, on peut pas aller dans les océans avec la galère. Donc, c'est pas d'assin qui se la pète. Du coup, je le mec qui plante son épée par terre. Ouais, ça devrait aller, je crois qu'il y a personne, en fait, chez eux. En fait, j'ai l'impression qu'on est condamné à rester sur nos petites îles jusqu'à ce qu'on découvre des bateaux capables de traverser ouais. Les océans. Ouais, en fait, c'est juste chez Aïs, machin, juste une île de cul avec trois archers dessus, quoi. On vous les attaquez, oui, merde. Ils ont pas l'air décidés à vouloir attaquer. Ah, ça y est. Oula. C'est quoi ce combat de cul? Oh, je les ai démontés, mais la violence, quoi. Vous avez détruit la ville de chez Alice, vous avez pillé 13 pendant la destruction de chez Alice, vous avez capturé chez Alice, et votre spadassin a vaincu un archer. Pillage, détruit, ruine. Alors, du coup, mes spadassins, je vais les ranger. Et les guerriers, je vais les mettre là-bas. Me laisser emmerder par des PD enculés, moi, je vous le dis. Fou. Exactement. Putain, mais ils continuent à se trimballer avec leur galère à côté de chez moi, quoi. Ils ont pas compris. Ils ont pas compris le message, je crois. Il va falloir que je leur fasse comprendre quand j'aurai un bateau. Plus clairement. Ouais.
Genre, barrez-vous de chez moi. Je suppose que je peux pas attaquer des galères avec Spadassin. Non, évidemment. Merde. Si j'oublie de finir mes tours, moi. La naissance de Jésus-Christ, c'est pour bientôt, monsieur. On s'en fout. Ils sont à fond, les ouvriers. Ils sont au four, les ouvriers. Je vais pouvoir aller tuer bientôt les barbares qui sont chez moi aussi. Normalement. Seuls les spadassins peuvent encore être. Ah non, c'est juste les autres qui ont été créés qui peuvent aussi être améliorés. Dans le clic clac. Bâtard. Quel domaine souhaitez-vous poursuivre vos recherches? La monnaie, ça peut être unique quand même. Et là, je suis un peu en de pognon. Vous avez découvert l'alphabet. J'essaie de l'ignorer, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais. Ouais, le problème, c'est que je vais perdre de la population si je fais pas gaffe. Oh, ça me fait chier. Ça s'arrêtera jamais, je pense, si... Cette religion, taoïsme, s'est propagée jusqu'à Crabland. Bravo, bravo. C'est genre, je suis taoïste, mais pas officiel, quoi. C'est genre, je vais tout avoir de taoïste, sauf ma capitale. Parce que vous, vous voulez pas être taoïste. Ils se sont réinstallés. Mais ils se foutent de ma gueule, ces petits pédés enculés, là. Salopard de, oh mais... de barbare. Oui, au même endroit en plus. Et ils y croient. Les mecs, ils doutent de rien, quoi. La vermine a infesté les greniers de la ville de Crabland. Toute la nourriture stockée ici est gâtée.
Nos entraîneurs de chevaux payés pensent pour remplacer le grain perdu. Qu'on peut créer un lien plus profond avec nos montures et les comprendre davantage. Ils ont besoin d'un réseau d'écuries plus grand et mieux coordonné pour y parvenir. Murmurez à l'oreille des chevaux. What? Vos entraîneurs d'élite vous chargent de construire suffisamment d'écuries afin de dépasser les limites de l'élevage traditionnel. Pour achever cette quête, vous devez construire 11 écuries dans vos villes. Vous échouerez si une civilisation rivale achève cette quête avant vous, ou si vous atteignez la Renaissance sans avoir rempli les conditions de victoire. Wow. De toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas la refuser. Bonjour, Heracli. Vous avez entraîné un spadassin à Confiturland. Que souhaitez-vous faire à présent? Un autre spadassin. Pour les barbares. Bon. Manifestement, mon bateau ne peut pas aller bien loin. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'île qui se touche. Ou pas suffisamment. Des îles qui se touchent. Voir un peu ce que ça donne, ces barbares. Catastrophe à Boursefranc. L'incendie d'un village s'est propagé à la forêt, brûlant des milliers d'hectares. Et alors? C'est quoi le problème? Ta mère! Envoyer des émissaires pour aider les victimes, et voilà. Je vois pas le problème. Cette fois-ci, j'ai posté des sentinelles là où ils s'installent tout le temps les barbares pour qu'ils reviennent. Tiens, par contre, j'ai moins 4 pièces d'or par tour, pourquoi? Et j'ai plus que 136, ça pue un peu. Qu'est-ce que je peux apprendre comme... Allez, hop, la monarchie. Ah ouais, vous êtes un mec comme ça, vous. Vous êtes carrément une monarchie. Dans le bon roi, Tenko. Tenko premier. Tenko le cul. Des inondations ont noyé les routes près de Rochefort, mais décidément. Eh ben... Ils aiment bien l'eau, apparemment, chez vous. Envoyer des équipes d'urgence réparer les dégâts, quel qu'en soit le coût. J'ai pas assez, putain. Bon bah, la route va être détruite, alors que je viens juste de la construire. J'ai même pas fini de la construire, d'ailleurs.
putain de pénurie de bouffe ici, c'est pas possible ça. Ah putain, mais les esclaves quoi. Je peux pas faire quelque chose pour empêcher ça. Sérieux. Quoi. Je suis en train de régresser avec ces conneries. Ah non, putain! Staline m'a devancé. Il a tué les barbares et il a pris le contrôle de la ville. Mais je sais pas, moi ça l'explose à chaque fois, la ville. Quand ils font une ville, elle explose, quoi. C'est quand elle est niveau 1. D'accord. Oui, ils ont carrément eu le temps de s'installer, quoi. Ouais, elle était niveau 2. Il veut pas me la donner, la ville, évidemment. Oh. Con. Ah putain. Il est enculé. Est-ce qu'on voit combien ça nous coûte une unité en fait? Ouais, c'est marqué, je sais plus où. Quand vous placez la souris dessus, je crois, c'est marqué. Bah là, je vois pas sur mes éclaireurs. Lancier, j'ai 35 sur 70. Ouais, vraiment pas. Normalement, vous devriez. Je la supprime. Voilà. Ça c'est fait. Je sais pas combien elle coûtait, mais. Pas grand chose, probablement. C'est que des éclaireurs de cul. Je commence à être dans la merde, j'ai plus que 100 pièces d'or et avec moins 4 par tour, je vais pas tenir longtemps. Faut absolument que je trouve un moyen de remonter en or. Ben baisser votre investissement en technologie ou en espionnage. Et je sais pas comment. En haut à gauche. Baisser les investissements. Vous avez 90%. Enfin moi j'ai 90%, mais je sais pas combien ouais, vous 90, avez. Ouais, 90. Bah vous faites vous cliquez sur moins et du coup votre technologie évoluera moins vite, mais vous gagnerez un peu plus d'argent. Bah je vais attendre que monnaie se termine avant. Putain, ce serait bien que ça remonte vite là, ce que j'ai perdu. Sérieux, il me fait chier, Staline. Il commence à prendre un peu trop de place sur cette île là. Cette île est trop grande et trop petite pour nous deux. Je me demande ce que. C'est qu'il a vraiment rien, ce con en plus.
Vous avez construit Stone Age à Crabland, que voulez-vous faire ensuite? Oula, comment ça se fait que d'un seul coup ma carte elle s'est agrandie? C'est peut-être une technologie que vous avez apprise. Bah j'ai juste eu Stonehenge et... qui est une merveille et je vois pas pourquoi est-ce que ça me... Bizarre. Augmente la taille de ma carte. La révolte risque de continuer, donc il y a moyen qu'elle s'arrête quand même. Ce qu'il y a, c'est que je peux plus me permettre. Putain d'enculard de BD de merde de barbare de. Du cul quoi. Ils en veulent, hein, les barbares. Ils veulent s'installer là, au même endroit, toujours. Livre des lois. Ouais, c'est bon, je crois que la révolte s'est arrêtée. Bon, ça va alors. Ça finit vraiment par s'arrêter. Ouais, bah, c'est pas, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas si c'est dû au DLC qu'on a pu faire ça. Les personnalités aléatoires avec des nations aléatoires. Ça, j'en ai aucune idée. Au four, les barbares saxons. What? Comment ça se fait qu'ils m'ont dégommé deux de mes spadassins, ces enculés? Les barbares? Ouais. C'est un spadassin niveau 3 en plus. J'ai plus qu'une unité dessus. On peut les soigner quelque part ou... Ouais, c'est plus efficace quand vous êtes sur votre territoire, le soin. Alors... Les Aztèques auraient besoin de votre aide. Le mec, il veut que je lui donne la boussole contre rien du tout. Je regrette, mais ici non plus, la vie n'est pas rose tous les jours. Nous nous en souviendrons, Crony. Toi, je suis passé derrière, Staline. J'aimerais vous faire une proposition commerciale. Il va y avoir un moyen. Je demande 40 or contre la boussole. Voilà! Là, on s'entend. Oh, le voile. Ah, c'est tout. Je voulais juste du pognon, c'est tout. Tu veux la boussole, tu la payes, connard. Je vais pas te la donner, quoi.
Bah c'est bon, j'ai plus 7 de pognon par tour maintenant. Comme j'ai baissé un petit peu la recherche. J'ai descendu à 60%. Oh là là, ce mec! Ce mec qui balourde ses barbares à côté de chez moi, quoi. Quel pédé enculé. Je suis au coude à coude avec cet enfoiré de Staline. J'aime pas ça. Les routes, elles sont faites un peu n'importe comment quand même. Ouais. C'est assez random. Marché. Marche. Parti. T'as un crabland d'un coup qui est devenu crobile, je sais pas pourquoi. Ah mais non, ils m'ont refoutu ça là. Faut peut-être pas déconner non plus. En fait, on les voit pas les points de vie de nos unités. Les quoi? Les points de vie de nos unités. Je crois pas. C'est juste en fonction du nombre qu'ils sont, je pense. Ouais, c'est surtout ça. Ah, il y a la barre verte aussi en bas, je crois qu'elle diminue quand ils sont attaqués, mais. Défrissage de frère rapporte 60 ping à sa confiture lande. Vous avez entraîné un colon à confiture lande, que souhaitez-vous faire à présent? La grande muraille. Et maintenant, faut que je m'installe quelque part avec sa pédé enculée. You have discovered monarchy. Ouvre ici. T'es pauvre. J'aime pas quand c'est pauvre. Oh non, mais c'est sérieux ça? Le taoïsme s'est propagé jusqu'à confirmer. Non, 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 n'allez pas là, arrêtez-vous, ça suffit. Faut que je défonce ces enculards de Visigoth avant, ils viennent de s'installer. La vermine a infesté les greniers de la ville Tenochtitlan. D'accord. Mais c'est pas. Je sais pas, Tenochtitlan, ça doit être chez Cyrus, ça. Mais du coup, je sais pas où c'est. Tenochtitlan,
Bah, c'est un nom aztèque, donc c'est chez Cyrus, logiquement. Ouais. Pas vraiment d'endroit intéressant niveau ressources, ouais, dans tous les cas, de toute façon. Bon, ça serait bien que Buffland se dépêche de le faire son comptoir, que je puisse avoir des bateaux un jour. Ma vie, mon île est assez pauvre en ressources quand même. Allez, monsieur. Excusez-moi. Allez, que je fasse quelque chose. Bonsoir, Croupion. Croupion. Allez, foutez-moi ça au four. Putain de Visigoth de cul. Mais what? Pourquoi est-ce qu'ils sont crevés instantanément encore, les deux, là? Tout de la gueule du monde, un peu. Les routes, ils font vraiment n'importe quoi. C'est violent. Ouais, ça va dans tous les sens, les routes. Quand vous voulez, monsieur. Attendez. Bon, on va faire ça. Nom de la ville, Barbare au four. Barbare au four. Voilà le nom de la ville. Carrément. Ah, ils peuvent faire des bateaux ici. Bien. Frontière de Buffland, sous tes entendu. J'ai pas vu ça. Très bien. C'est tout bon en fait. Venez de construire un comptoir à Buffland. Voulez-vous faire ensuite? Un bateau atelier. On est toujours en antiquité ou... Non, on doit être au Moyen-Âge. Normalement ça vous le dit. Normalement ça nous le dit, mais je pense que comme on est en multi, ça nous met pas de pop-up en fait, et du coup bravo. On a dû louper les messages. C'est pas équitable ce qu'il me propose, ce con. Ah
Moi, vu la gueule de mes bâtiments, c'est du Moyen-Âge en tout cas. Puis j'ai la monarchie et tout. J'ai découvert les mathématiques. Je suis en train de les apprendre. Il me reste 11 tours. Une jungle a poussé près de Rochefort. J'imagine en vrai une jungle a poussé près de Rochefort, le truc improbable. Ça c'est bon. Un soulèvement massif de barbares est en cours. Les troupes d'Attila le Hun luttent contre le concept même de la civilisation. Monsieur, regardez mon score. Je vous dépasse de 100 presque. Tout ça? What the fuck? Vous êtes tellement dans la merde en fait, vous, là où vous êtes, par rapport à moi. Moi je suis tellement tranquille. Vous vous en sortez bien. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités d'archers montées. Ça sent le foin cette histoire. Non, c'est même pas une bonne idée de déplacer ces troupes là. Je sais pas comment je vais faire, monsieur. Je vais perdre une ville à coup sûr déjà. Peut-être plus. Ah voilà, ça y est, c'est fait, j'ai perdu une ville. Putain. Sérieusement. Oula, c'est qui ces bédés enculés là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Putain! Sérieux quoi? Voilà, au four les barbares. Je suis dans la merde. Sérieux, il me reste que ça? Oh putain. Vous faites luigifier par des barbares, monsieur. Bah ouais, là je risque de finir en game over dans pas longtemps là.
pouvez pas demander l'aide à Staline ou je sais pas. Pas pour des barbares. C'est fini. J'ai plus de capital. Oh putain. Il me reste deux villes qui servent à rien, qui sont complètement nazes. Sous-développées et tout. Et j'ai presque plus d'unités. C'est quoi cet event de cul, quoi? Vous êtes pas en game over au moins, mais bon. Ouais, mais j'en suis pas loin. Et là, s'ils attaquent les autres villes, c'est fini. Hein. Et c'est ce qu'ils font, bien sûr. Et je peux même pas créer d'unité parce que ça me prendrait 90 tours. Le mec qui veut m'offrir le livre des lois et 20 d'or contre l'alphabet. Comment est-ce qu'il peut m'échanger une technologie alors qu'il a encore l'alphabet, alors ce con? Ça y est, il me reste plus qu'une ville. Je veux pas, parce que si je lui donne ça, il va pouvoir faire des espions. J'ai pas envie. Ah ouais, carrément. Vous voyez ça, monsieur? La religion islam a été fondée dans un pays lointain. Moi, je l'ai pas vu. Enfin, j'ai pas fait gaffe si c'est arrivé. Putain, il est passé devant vous, monsieur Cyrus. Ouais, c'est normal, j'ai perdu tous mes points. Là. Il me reste plus qu'une ville. Je vais finir en game over. Là. Cyrus 2 se convertit à l'islam. L'enculé! L'enculé! Des Perses, Aztèques, musulmans! Ils cumulent, monsieur! Ils cumulent un peu trop, même! En fait, si vous avez encore votre bateau, la solution, ça serait peut-être d'essayer de me trouver. Non, parce que mon bateau ne peut pas traverser les océans. Mais il n'y a aucun bateau qui peut traverser, j'ai l'impression. Si, mais il faut évoluer un peu plus la technologie, quoi. Barbare de cul. Les trucs en plus, ils ont spawné bien en plein milieu de mes territoires, quoi.
Monsieur? Oui. Vous en sortez? Oui. Une technologie, de toute façon, là, je suis parti pour perdre. You have discovered mathematics. Ouais, bah, ce que je vais faire, si je peux reprendre une autre civilisation, je reprendrai Staline après la défaite. Au moins, je serai sur la même île. Comme ça. Et vous récupérez toutes vos villes. Bah ouais, du coup je pourrais me venger sur les barbares. Donc ce que je vais faire, c'est Staline, que ce que je vais faire, c'est que je vais donner toutes mes technologies à Staline, comme ça je récupérerai tout ce que j'avais. Et c'est là que vous pouvez pas prendre un autre. Bah si je peux pas en prendre un autre, c'est la fin de la partie quoi. Alors qu'on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ce serait con. Accepter ce cadeau. Le mec, je lui ai tout donné, quoi. Gratos. C'était son plan depuis le début, monsieur. C'est lui qui a appelé les barbares, en fait. C'est ça, c'est un fourbe, ce Staline. Allez, faites pas durer le suspense, tuez-moi, bande d'enculés. Et là, non, il vous épargne avec juste un truc de merde. Si je me retrouve juste avec Fontenay, quoi, c'est la loose. Et du coup, vous avez donné toutes les trucs à Staline pour rien. Ce serait beau. Non, ça y est. Game over! Les Khmer ont été écrasés. Bravo, 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 bravo. Vous essuyez une défaite. Faut que vous sauvegardiez. Ouais. Faites une sauvegarde aussi au cas où. Ouais, ouais, j'appelle Gay. Nom de fichier Gay, ok. Voilà. Retour au menu principal. Multijoueur. Partie internet. Internet. Oui. Putain, je crois que comme vous avez déconnecté pendant que j'étais en train de faire la sauvegarde, ça a complètement fait planter. Oh putain, non, je crois que je peux pas en plus. Je peux choisir votre empire, l'empire Khmer ou l'empire Viking. Peut-être si vous cochez la case, vous pouvez peut-être décocher la case pour prendre le contrôle des IA là dans les options, si vous pouvez les changer. Bah non. Attendez. Putain, non, je crois que c'est mort. Je sais pas s'il y a moyen de gruger avec les sauvegardes. Attendez. C'est pas fini, Neverwinter. Juste en pause. Putain, où est-ce qu'elles sont les sauvegardes? C'est le bordel là, pour charger une sauvegarde dans ce jeu. Je vais essayer sinon de... Si je fais charger, que je fais ça... Qu'il n'y ait pas de mot de passe.
Ouais, non, je peux rien décocher. C'est un moyen de cheater, je sais pas. Ce serait bien, ouais. Sauf franchement, là, c'est la merde. Liquide cherche, apparemment. Picouli, monsieur. Génial, il y a un code pour faire crasher le jeu. J'ai utile. Ça se trouve, fallait cocher prendre contrôle de l'IA. Ouais. Bah oui, je pense que c'était ça. Mais on pouvait pas savoir. Je pensais que c'était en cours de jeu, pas. Ouais, bah expliquer comme c'était, ça faisait penser ça. Ça fait chier si on doit en refaire une, parce que j'étais bien parti, moi. Bah, elle était bien, mon île. Ouais. Surtout que je suis mort comme une merde, quoi. C'est vrai que c'est la misère un petit peu, hein. Bah ouais, et 6 unités de barbares qui spawnent à cause d'un événement aléatoire et qui me tuent tout, quoi. Franchement, vous avez été un peu Luigi depuis le début, quoi.
Que de la malchance, ce casse-couille. Non, mais... Il va falloir qu'on recommence, je pense. Ça a pas l'air d'être possible. Chier. Je trouve rien, en tout cas, moi. Mais bon, Amaye, touillé, qui picouli. Fais chier, monsieur, fais chier. Bah oui, mais c'est moi que ça le fait plus chier, hein. C'est moi qui étais bien parti dans l'histoire. Touillet. Ouais, touillet, ouais. Pédé enculé, oui, surtout. Bon, bah on en refait une, du coup. Ouais, hein. C'est reparti pour des heures de antiquité. J'étais bien sur mon île. Je vais mettre le temps peut-être un peu plus rapide. Pour éviter que ce soit trop lent comme ça. Je sais pas, parce que en fait, finalement. Ce qui est chiant, en fait, c'est tout le temps devoir appuyer sur entrée. Mais même si on met le temps plus vite, faudra quand même qu'on appuie sur entrée. Donc ça change rien. Disons que ça fait plus de longues ellipses en fait. Ouais, mais du coup, on perd du temps techniquement. Ouais, un peu. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Non, on laisse comme c'était. Par contre, je vais juste en profiter pour garder 2-3 trucs avant de démarrer. Shuffle, ce que j'avais mis. Carte créée aléatoirement. Une carte Pangée, continent, archipel ou mixte. Bon, je suis sûr qu'on était en archipel. Continent, carte générée aléatoirement avec 2 continents ou plus. Fractal. Sinon, monsieur, si vous voulez sauver le truc, il y a peut-être moyen en faisant des cheats dans la partie où vous n'avez pas encore perdu. Des cheats genre pour vous donner des trucs ou quoi et vous aider à battre les barbares, je sais pas. Vous croyez? Mais je sais pas comment on le cheat. Il faut utiliser, il faut modifier le fichier INI pour mettre la console. Et Même en multi? Je sais pas si ça marche en multi. Je pense qu'on peut si on n'a pas coché le truc. Le truc qui ressemblait à un truc anti-cheat. Dans les options. Et on l'avait pas coché, je crois. Je vais regarder. De toute façon, je regarde les codes et il n'y a pas de trucs qui peuvent vous aider, j'ai l'impression. C'est des codes de cul un peu, c'est rajouter de l'or, des trucs comme ça. Mais... Ou alors, immediately complete whatever the city is producing, ça peut vous aider à faire ce qu'il vous faut. Genre, vous faites assez d'unités, vous faites ce code-là. Mmh. Et vous vous battez avec, quoi. Ouais. Faut que je charge une sauvegarde auto qui est quelques tours avant alors. Tu veux dire que du coup ils vont faire de la confiture chez moi pendant ce temps-là. 340 avant Jésus-Christ. Comme ça, on est sûr d'avoir le temps normalement. Je sais pas combien de temps, c'est peut-être beaucoup, 340 avant Jésus-Christ. Attendez. Faut toujours qu'on finisse par quitter, hein. Y a rien à faire. Dans tous ces jeux-là, à chaque fois, on peut pas faire une partie normalement.
les tours, ils duraient... Un tour égale 10 ans actuellement, donc 341 avant Jésus-Christ, c'est énorme, en fait. La sauvegarde, elle est en 150 avant Jésus-Christ, donc je peux charger en 180 avant Jésus-Christ. En fait, c'est con parce qu'on peut charger un petit peu avant, tout simplement, et peut-être que l'événement va pas se déclencher. Il y avait un truc comme ça, dans les trucs à cocher, qui disait que ça se changeait, si on rechargeait ou quoi, ça pouvait être différent, mais je crois pas qu'on l'avait coché. Bon, on verra. 180 avant Jésus-Christ, je sais pas où on en sera. Ah ouais, mais j'ai pas modifié le fichier INI. Oui. Fuck. Du coup, faut que je quitte le jeu et tout. Bon bah attendez, j'ai coupé le live quelques minutes, le temps de faire ça, parce que sinon ça va pas arrêter de se déclencher et de se redéclencher avec OBS. J'aime pas les écrans noirs, ce cul. Ouais, donc à tout de suite.